Eh bien, nous voici dimanche. Un dimanche béni. Un dimanche de vie. Un dimanche de joie avec l'Éternel. La Bible ne dit-elle pas que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. De partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, là où vous êtes, je sais que vous êtes là en famille. Je sais que vous êtes avec des frères et sœurs en train de suivre et de participer à ces cultes. S'il vous plaît, ne le faites pas seul. Faites-le vraiment en famille. Et aussi, invitez des amis qui sont au loin. Partagez les liens avec eux afin que tous ensemble, nous puissions le faire. Nous, c'est Fille la Cité d'Exaucement, bien entendu, conduit et dirigé par le pasteur Atom Sumbuma, qui déjà a commencé une très belle série avec les gestes barrières. Alors, sans plus tarder, que le Seigneur vous bénisse. Allons-y ensemble louer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On est là. Alléluia. Alléluia. Quel bonheur pour nous d'être encore dans ta présence. Quelle joie pour nous ce matin encore de nous réunir devant toi, devant ton saint trône. Tu sais, Seigneur, que nous n'avons que toi. C'est ce que nous voulons encore te dire ce matin. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que tout toi, notre Seigneur. Espoir se trouve en toi. Notre vie entière, elle est entre tes mains. Notre avenir, il est entre tes mains. Nos projets sont entre tes mains. Nous avons tout en toi. C'est en toi que nous avons tout ce dont nous avons besoin. La vie éternelle, nous l'avons en toi. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tosa kakanayo, kakanayo, Yahweh. Qui veut le chanter avec Alléluia. Nous ce matin. Yahweh, mon souffle soit alité. Yahweh, Kakayo, Kakayo. Yahweh, Yahweh, mon souffle soit alité. Oh, Kakayo. Yahweh, ton sang.
avant que toi. Disons-le lui ce matin. Nous pouvons parler sans honte. Toi qui nous, devant qui nous pouvons nous présenter dans la transparence totale. Parce que toi tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous. Parce que toi tu vis dans nos cœurs, tu vois ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais ce que nous ressentons. Tu sais par quoi nous passons. Tu sais, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Jésus. Jésus. Mon ami intime, mon ami.
Merci Seigneur, merci Seigneur. M'approcher de toi, éternel Dieu, c'est mon bien. Seigneur, m'approcher de toi, éternel, c'est mon bien. Que tu sois loué, Seigneur. Que tu sois exalté pour ce temps que tu nous donnes. Seigneur, merci. Merci, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Shalom, bien-aimés. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés maintenant à notre temps d'exaucement. Nous appelons ici à Phi la cité d'exaucement. C'est temps, le temps d'exaucement, le temps où nous avons la ferme conviction que Dieu nous écoute. Alléluia. Mais avant vraiment d'entrer dans le vif de ce temps d'exaucement, j'aimerais partager une petite portion de la parole de Dieu avec vous qui va nous aider pendant ce temps de nous approcher de Dieu et de prier. Amen. C'est dans Genèse 6, l'histoire que nous connaissons tous, l'histoire de Noé. Je prends cette partie, Genèse 6, du verset 18 au verset 20, qui dit ceci. « Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. » Ce qui m'intéresse plus, c'est le verset 20, surtout la dernière partie du verset 20 qui dit « Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. De deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. » Dieu dit « De chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. » Certes, Dieu a dit à Noé, mais c'est Dieu lui-même qui envoie chaque espèce vers Noé. J'aimerais te dire ceci, mon frère, ma sœur. Nous sommes aujourd'hui au mois de juillet. Il y a 6 mois qui sont déjà passés. Il nous reste encore 6 mois pour 2020. Je viens te dire que dans ces 6 mois qui restent, Dieu lui-même s'est engagé de t'envoyer la bénédiction en double. C'est Dieu qui a envoyé chaque espèce vers Noé. Noé n'est pas sorti aller en brousse pour commencer à chercher les animaux, mais Dieu les a envoyés vers Noé. Et je déclare qu'en ces 6 mois de cette année 2020, Dieu va envoyer des bénédictions vers toi. Alors je te prie de t'élever maintenant et de prier en déclarant, en disant que ce que je n'ai pas eu pendant les 6 premiers mois de 2020, Dieu, tu vas me les donner, tu vas me les envoyer pendant ces 6 mois qui restent de 2020. Alléluia. Lève ta voix et commence à prier. Rachin de rebouche. Seigneur, merci. Merci, éternel, parce que tu es celui qui agit en ma faveur, éternel. Merci, Père de gloire. Merci pour les 6 mois qui restent de 2020, parce que tu vas faire des grandes choses dans ma vie. Je sais, éternel, que tu vas m'accorder le repos sur le plan financier, le repos sur le plan relationnel, le repos sur le plan de mariage, Seigneur, parce que c'est toi, tu te décides toi-même d'envoyer ces bénédictions vers moi et tu vas les envoyer en double. Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'élève, éternel Dieu de ma vie, et je reçois ces bénédictions. L'année 2020 ne se terminera pas sans que je n'ai vu tes bénédictions dans ma vie, parce que c'est toi qui as décidé de les envoyer dans ma vie. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni, sois exalté. Je te fais pleinement confiance, éternel Dieu de ma vie, parce que je sais, Seigneur, ce que tu promets, tu l'accomplis toujours. Tu es toujours au rendez-vous. Il n'y a jamais eu de retard avec toi. Seigneur, voilà pourquoi je prie en ce jour. Que ta main puissante se repose sur chacun de nous et que tu nous couvres pendant les 6 mois de l'ombre de ta main puissante éternelle et que tu fasses briller sur chacun de nous la lumière de ta face. Tu es Dieu au-delà du confinement. Tu es Dieu, tu restes. Avant ou après le confinement, tu es le même. Seigneur, sois loué.
Seigneur, sois béni. Seigneur, sois exalté pour le merveille éternel que tu réserves à ton peuple. Et je déclare le mois de juillet, le mois béni, le mois que tu accordes du repos à tes enfants dans chaque domaine, dans chaque détail de nos vies. Tu nous accordes du repos, car c'est le septième mois. Le chiffre 7, c'est le chiffre où tu t'es reposé, Seigneur. Tu nous accordes le repos. Sois loué, Seigneur. Sois béni, sois exalté. Tu es magnifique, éternel. Tu es grand, tu es puissant. Laisse que toute la gloire te revienne, éternel, et que tu bénisses le reste du programme du culte de ce dimanche, parce que toi, tu es au rendez-vous. Merci, Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous sommes arrivés au temps des annonces. Vous savez, bien-aimés, il y a quelques mois en arrière, l'Église avait organisé une campagne du social. Et cette campagne a pris fin. Mais comme l'Église a un cœur pour toutes ces familles qui sont dans le besoin, alors l'Église demande à toute personne de bonne volonté qui aimerait donner un don, contribuer, parce que la campagne, comme on a dit, la campagne a pris fin, mais si vous avez quelque chose, un don à donner, vous pouvez toujours passer à notre bureau, à nos bureaux administratifs, ou soit aller carrément sur notre site internet www.cité-exaucement.com. Et l'Église aimerait être plus proche de vous pendant ces temps. C'est ainsi que l'Église
a mis à votre disposition des serviteurs de Dieu. Alors ne soyez pas étonnés si un jour on vous appelle ou bien vous recevez un SMS, c'est de la part de l'Église, parce que l'Église aimerait être très proche de vous. En ce qui concerne la prière, si vous avez besoin de prière, il y a un numéro qui va s'afficher ou qui s'affiche déjà au bas de vos écrans. Appelez à ce numéro, il y a des frères et des sœurs qui aimeraient vraiment prier avec vous, vous porter dans la prière et vous soutenir dans la prière. Pour la croissance de l'Église, il y a tout un programme que l'Église a mis à votre disposition que vous trouverez toujours sur notre site internet www.cité-exaucement.com. Et ce programme, il s'agit de cultiver la vie de Christ, l'école d'Apollos et puis l'école de Métamorpho. Ce sont des programmes que l'Église a mis à votre disposition afin de vous aider pour grandir spirituellement et avoir la maturité. Que Dieu vous bénisse. Action de grâce. L'Église souhaite joyeux anniversaire à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire au courant de la semaine et félicite le couple qui se sont mariés au courant de la semaine. Maintenant, nous sommes arrivés au moment d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Encore ce dimanche, Dieu continue à nous enseigner sur les gestes barrières. Alors, c'est quelle attitude et quelle façon être dans le moment de combat spirituel. On a tous décidé de parler de Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. C'est ce que je ne cesse pas d'expliquer depuis ces quelques dimanches. Les dimanches passés, je me suis dit peut-être que je vais mettre à vous expliquer le verset 12, la partie B. À peine commencé, on a commencé à établir des principes. On est parti hier dans ça et c'était si important d'en parler. Aujourd'hui, nous allons donc entamer cette deuxième partie, mais je me suis rendu compte que le chapitre 2 étant tellement long, il risquait de nous prendre tout le temps. Ce que je me suis dit de faire, puisqu'il arrive un moment dans ce second chapitre, l'opportunité d'ouvrir déjà la porte vers le troisième chapitre. Donc, je vais commencer à balancer avec le 2. Donc, le premier chapitre, vous le savez, le deuxième chapitre plutôt, c'est comprendre l'armure de Dieu. C'est ce qu'on s'est décidé d'étudier verset par verset. Mais le troisième, c'était les différentes influences entre les royaumes. Donc, je parlerai aussi directement, petit à petit, des différentes influences entre le royaume. Revenons à ce texte, donc, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est déjà fait, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous devez savoir que les rabbins, ou les, je vais les appeler quoi, les enseignants dans le judaïsme à l'époque, pensaient toujours, une pensée que vous retrouvez même aussi dans le Nouveau Testament, qu'en fait les créatures angéliques, les anges, étaient jaloux de l'amour et de l'attention que Dieu donnait aux hommes. Alors, dans la Bible, vous trouvez cela un peu, dans un côté un peu positif, où la Bible dit ils veulent regarder, plonger leur regard dans l'expression de la grâce. Mais dans le judaïsme ancien, on considérait toujours que les anges étaient un peu jaloux des hommes à cause des choses que Dieu faisait pour eux. Le fait qu'il leur donnait la loi des Sinaï, pour eux, c'était une raison d'être jalousiés par les anges. L'humanité déchue, par conséquence, était devenue hostile à certains des anges. Donc, certains anges, selon cette tendance rabbinique, considéraient l'humanité et devenaient hostiles à l'humanité. Alors, quelque chose s'est passé dans l'époque des Éphésiens. Vous vous souvenez, lorsque je démarrais cette série, je vous ai parlé des combats d'Éphèse. Et parmi les combats d'Éphèse, il y avait un combat de la doctrine, un combat de l'enseignement. Il y avait un sérieux problème d'enseignement. Il y avait de l'enseignement, vous savez, il y a des mots, vous avez envie de les prononcer aisément, mais c'est toujours difficile à prononcer. Ça s'écrit G-N-O-S-T-I.
Q-U-E-S, si on veut mettre ça au pluriel. Donc, je vais parler des faux enseignants gnostistes. Quand je lis, ça sonne gnostiste, mais c'est avec un G. Donc, si vous voulez lire gnostiste, c'est comme vous voulez. Alors, cette doctrine du gnostisme commençait à s'étendre à partir du christianisme. Ce n'était pas une doctrine extérieure, mais c'était les gens qui se disaient croire au même Dieu de la Bible, et même se disaient croire aux versets de la Bible, mais ressortaient du spiritisme au lieu de la spiritualité chrétienne. À commencer à enseigner une manipulation du monde spirituel au lieu d'enseigner une relation avec un Dieu qui est esprit. Alors, il y a une petite nuance, frères et sœurs, entre la spiritualité biblique et le spiritisme. Jésus nous a enseigné comment être né de nouveau, naître d'esprit, rétablir notre relation avec notre Père et reprendre cette nature spirituelle. Il ne nous a pas enseigné la manipulation des esprits, le contrôle de choses. Il ne veut pas qu'on se mette au contrôle de l'univers, non. Il veut qu'on le serve lui et qu'on puisse dominer en son nom. Alors, malheureusement, les gnostistes, ils avaient tellement d'enseignements intéressants, mais qui étaient en train de contredire les vérités de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils se disaient, leur enseignement était basé sur ceci. Ils se disaient qu'il est disponible d'avoir des mots des passes, des codes secrets vers les réalités spirituelles. Donc, ils se disaient que toutes ces dimensions spirituelles, il faut juste comprendre. Et ils disaient même que non, Jésus avait compris ça. Il connaissait les mots des passes pour pouvoir accéder à certaines dimensions. Donc, ils enseignaient cet spiritisme, cette influence occulte dans le christianisme, et il donnait même l'impression que Jésus, en fait, c'était un pratiquant du spiritisme. Vous connaissez cela, bon, ce n'est plus à cacher. Il y a certaines personnes qui font croire que Jésus aurait été un Essénien, donc il est des pratiques, des Templiers. Il y a des gens qui imaginent des choses autour de Christ, parce que tout le monde veut s'approprier de Jésus, pour qu'ils puissent, ils puissent laver la réputation de leur tendance spirituelle. Alors, eux, ils voyaient Jésus comme ça, comme quelqu'un. Ils expliquaient la foi chrétienne en disant qu'il y avait des cours, des moyens pour pouvoir apprendre comment accéder les sphères élevées qui étaient, les sphères angéliques qui étaient hostiles. C'est-à-dire, ils montrent aux gens, bon, voilà ce qu'il faut faire pour, quand tu veux monter en esprit, pour que tu ne sois pas dérangé par les mauvais esprits, voici le code pour... Oups! La foi chrétienne, de fois, elle est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Pourquoi je parle de ça? Vous allez commencer à comprendre ça tout à l'heure. Justement, dans cette doctrine du gnostisme, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelque chose qu'on appelle les éons. Il y a un terme, donc éons. Les éons, c'est une sorte d'ordre angélique. Ah, ça veut littéralement dire vie ou être. Ça a un peu progressé avec le temps pour commencer à avoir l'idée même de l'éternité. C'est comme ça qu'ils voient ça. En réalité, les éons, c'est ce que les gnostistes appelaient l'ordre angélique, l'ordre spirituel. Ils nommaient, ayant les diverses, ils appelaient ça les émanations de Dieu. Ils considéraient que Dieu, en tant que Dieu, dans sa divinité, en tant qu'être suprême, avait des émanations de choses qui sortaient de lui, des manifestations d'esprit qui sortaient de lui. Et nous, en tant qu'êtres humains, à l'approche de ce Dieu-là, on avait ces différentes dimensions spirituelles. Et le maximum qu'on pouvait atteindre, ils appelaient ça atteindre les plérums. Pour eux, ces émanations de Dieu, donc ces choses qui viennent de Dieu et qui sont là en contact avec les hommes, avaient deux sens. Ils avaient un sens masculin et un sens féminin chaque fois. Donc c'était chaque fois des paires qu'il fallait maîtriser au masculin et au féminin. Et quand on maîtrisait les deux, alors on réussissait à atteindre une nouvelle sphère. Ils sont même allés à dire que Jésus, comme masculin, avait pour féminin le Sophia, qui veut dire littéralement la sagesse. Donc il y avait le Jésus et la Sophia, et c'est ce qui faisait Jésus et sagesse, donc ça faisait l'équilibre de cette sphère-là. Ouh, quand vous entendez les gens raconter des choses comme ça, c'est terrible. Et donc, sur base de ça, ils avaient une longue liste. Ils faisaient des équivalences, ils mélangeaient des listes comme ça, des choses, ils mélangeaient des paires. Alors, pour eux, par exemple, ils avaient des pères, par exemple, qu'ils appelaient le pro-père ou abîme, la pensée, pro-père et si et pensée. Donc, l'abîme et le silence. L'intellect et vérité.
Donc, le monogène, comme il appelait ça, se faisait des paires comme ça. Ils en avaient jusqu'à 8, jusqu'à 15 paires différentes comme ça. Ils parlaient de homme et église, paracletos et pistis, pratikos et elpis, metrikos et agapé, ainous et sinensis. Ils parlaient de ecclésiastikos et makariotes, telotos, sagesse, mitios, mixis. Je ne vais pas vous emmener dans tout ça. Ils ont fait deux paires comme ça, 15 paires, où chacune de ces vérités ou bien de ces, de ces réalités spirituelles, et l'une était masculine, l'autre était féminine. Vous voyez, par exemple, ils intègrent même une paire comme homme et église. Homme, ici, je parle au masculin, l'homme et l'église comme une femme. Donc, pour eux, en maîtrisant les codes qui existent entre ces relations-là qui existent entre le matériel et le spirituel, l'humain est matériel et le divin est spirituel et immatériel, quand on maîtrise les lois de l'immatériel, on sait marcher même sur le matériel. Je suis désolé de vous le dire, mes frères et sœurs, mais même si les premières personnes qui ont cru à cette forme de religion, à cette déformation de la foi chrétienne, même si ces premières personnes ne sont plus aujourd'hui, mais jusqu'aujourd'hui, cette doctrine existe et beaucoup de personnes qui prêchent sur la chair, même disant qu'ils prêchent l'Évangile, continuent encore à prêcher ces croyances qui pourtant ont causé tellement de mal dans la vie de l'Église. Christ n'est pas venu enseigner du spiritisme, Christ est venu nous réconcilier au Père et nous apprendre à renaître en esprit. Nous avons un rôle spirituel à jouer et ce n'est pas du spiritisme pour contrôler les autres esprits. Alors Paul, dans le livre, il est en train de parler aussi d'un autre ordre. Il parle d'un ordre des dimensions, des niveaux de pouvoir et d'autorité. Il n'en parle pas qu'ici, Paul utilise ça plusieurs fois dans la Bible. Il emprunte ces mots, il les utilise plusieurs fois. Je vais vous donner quelques mots que Paul utilise beaucoup pour parler de ces niveaux d'autorité spirituelle. Et ces niveaux d'autorité spirituelle, Paul en parle quelques fois, j'allais dire dans le bon comme dans le mauvais, mais ça veut simplement dire les degrés, les niveaux angéliques. Et il en parle de fois pour parler dans les bonnes choses, il en parle de fois aussi pour parler dans les mauvaises choses. Mais dans ce contexte ici, il l'utilise particulièrement pour parler des niveaux ou bien des formes d'autorité spirituelle maléfique et non pas positive. Mais puisque ce sont des rangs et des niveaux angéliques, lui, il propose ici des niveaux d'autorité spirituelle angélique. J'aimerais que nous puissions les étudier pendant quelques temps. Je vais les citer de temps en temps en grec et voir comment on les traduit en français. Quand on lit les textes de Paul, en général, dans tous ses livres, on les voit parler des archés. Hein, vous savez, c'est ce mot-là qui est assez archibishop, archi, qui parle d'un rang de domination élevé. Par exemple, dans 1 Corinthiens 15, 24, dans, même dans Éphésiens 1, 21, on dit « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est le Dieu, le Père, après avoir détruit toute arché, toute domination. » Il y a par exemple un autre mot, archaï, qui est à côté de celui-là, que l'on traduit des fois en principalité dans certaines versions. Afin que les, ça c'est, je lis Éphésiens 3, 10, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. Ici en français, on traduit ça par autorité, mais les mots qui là veut dire principalité, les genres des princes qui dominent à certaines. Alors quand il dit afin que les autorités, les dominations, les autorités reconnaissent par l'Église, là il n'est pas en train de parler des dominations nécessairement positives. Il y a le mot aussi « autorité » qui nous trouvons très souvent, même dans Éphésiens, qui est un mot que nous connaissons, ceux de l'Église, des filles sont bien habitués à ça, « exousia ». Dans 1 Corinthiens, toujours, chapitre 15, verset 24, il dit « Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est père après avoir détruit toute domination et toute autorité. » L'idée, ça veut dire « ceux-là, ce sont des autorités ». Il y a aussi le mot toujours exousia, qui vient maintenant du même mot, qui veut toujours dire autorité, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Là, Paul est en train de parler dans Éphésiens chapitre 1, verset 21. Il est en train de montrer comment le nom de Jésus est au-dessus de toute domination, tout arché, toute puissance, je vais vous dire là, tout dynamis et toute dignité de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Là, ça montre comment le nom de Jésus au-dessus de tout ça.
C'est pour cette raison que Jésus ne se confronte pas. Quand on cite les noms de Jésus, on n'invoque pas un maître, on parle du Créateur. On donne l'ordre de celui qui fait tout exister. Donc, il y a les mots dynamis, comme dans 1 Corinthiens toujours. Il y a les mots dynaméis, qui est juste des nuances de la même chose. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les puissances. Vous voyez ça? Ne pourra me séparer l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ni les puissances. C'est là que vous trouvez le mot dynaméis, qui est juste le pluriel de dynamis. Vous avez aussi des mots tronoi, qui parlait de trône, dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Là, on parle de choses invisibles, mais on montre les niveaux de l'invisible. Frères et sœurs, le monde spirituel a des degrés. En matière spirituelle, il y a quelque chose qui a une influence et une autre en a plus que l'autre. C'est totalement logique et c'est ce que Paul est en train de parler ici. Il y a aussi ce qu'on appelle kyriotes, qui parle de domination ou de seigneurie, qui vient du mot kyrio, qui veut dire seigneur. Il y a kyriotetes, qui est toujours aussi l'idée de seigneurie ou de domination. Alors, il y a ce qu'on appelle ce qu'Éphésiens dit ici, il appelle ça contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire les esprits qui règnent dans les noirs et dans les lieux célestes. Les esprits, il appelle ça contre les princes de ce monde des ténèbres. Il y a deux termes qu'on trouve ici dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Il y a princes du monde des ténèbres et il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Toujours des niveaux d'autorité ou de niveaux de manifestation spirituelle. Et Paul parle de temps en temps de tout nom qui peut se nommer sur la terre, dans le présent ou dans l'avenir. On parle aussi des êtres célestes. Il y a des termes comme ça un peu génériques que Paul a l'habitude de citer. Il dit par exemple, « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Il parle des genoux qui fléchissent même sous la terre et il parle des genoux qui fléchissent même dans les cieux. Il expose ainsi des êtres spirituels qu'on ne connaît pas nécessairement. Paul, en présentant cette phrase, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre, en faisant sa citation de ces quatre contre, il dit contre, premièrement, excusez-moi, il dit contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants errant dans les lieux célestes. Il est en train de leur présenter une autre formulation spirituelle négative. Il les fait sortir de l'ordre des éons que les gnostiques leur proposaient à l'époque. Il leur proposait une transcendance spirituelle, une formation spirituelle. Il leur dit, non, ce n'est pas formé comme ça. La spiritualité, la réalité spirituelle est formée de telle que les anges, d'après la Bible, ils utilisent, vous avez des archaïs, vous avez des exousias, vous avez des... Voilà les niveaux qui existent en réalité. Il leur prête ces mots-là. C'est une terminologie que Paul n'utilise pas qu'une fois dans Éphésiens. Il l'utilise plusieurs fois dans plusieurs des livres. Chaque fois, il fait mention du même type de noms. Il leur dit, ne suivez pas les ayons. Voilà ce que nous connaissons. Et quand il leur cite ces choses, il ne les cite pas positivement dans ce contexte ici. Il leur dit, attention, si nous avons des autorités, chez eux aussi il y a des autorités. Si nous avons des puissances, chez eux aussi il y a des puissances. Là, on parle en termes d'ordre angélique. Souvenez-vous que les anges déchus, que nous appelons aujourd'hui démons, qui en font des origines, des démons, étaient en même temps que les anges qui aujourd'hui nous servent. Et quand ils sont partis, il y a des rangs des anges qui sont partis, à chaque niveau des rangs. Donc en allant là-bas, ils n'ont pas créé leur truc. Et leur identification principale vient du fait qu'ils étaient des anges et assignés à des missions bien particulières. Et tous ces anges n'avaient pas le même degré d'autorité. C'est pourquoi vous avez par exemple dans la Bible l'archange Michaël. Archange, donc c'est arché, l'arc que je venais de vous expliquer tout à l'heure, qui montre son rang plus élevé que ceux des autres. Un dirigeant, un seigneur, un superviseur. Alors, dans ce que j'essaie de nous dire aujourd'hui, frères et sœurs, en ayant montré toutes ces choses,
qu'est-ce que Paul veut dire? Est-ce que Paul veut nous dire, il faut que tu cherches à quel démon tu as affaire? Non. Ce que Paul veut nous dire, c'est qu'il y a une diversité dans l'adversaire. Deux choses que Paul veut montrer dans cette manière de citer les personnes contre lesquelles nous nous battons. Un, il y a une diversité dans l'adversaire. C'est un même adversaire, mais il y a une diversité. Deux, il veut nous montrer qu'il y a une hiérarchie ou une pluralité. Il y a une hiérarchie, il y a de l'ordre, il y a des niveaux de puissance. Ce qui signifie, s'il y a des niveaux de puissance de la part de l'ennemi, c'est qu'il y a des niveaux d'influence, il y a des niveaux de combat, des niveaux d'impact. Il y en a qui font moins mal, il y en a qui font plus mal, il y en a qui troublent. Donc les degrés des troublés existent. Jésus-Christ avait même cette expression lorsqu'il expliquait, lorsqu'une personne qui était possédée d'un esprit mauvais était libre, il explique en disant qu'il va aller chercher des esprits beaucoup plus méchants que lui. Voilà, même dans le monde spirituel, même au milieu des méchants, il y a des plus méchants que les méchants. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, dans notre combat, sachez qu'il y a des niveaux de cette guerre. Dans ma vie, j'ai appris une chose. J'entendais beaucoup dire ça. Le pasteur Roland ne cessait pas de me le dire. Je le lisais dans la Bible, je le comprenais. Le papa Alain ne cessait pas de le dire. Je savais que c'était une réalité. Mais la façon dont je l'ai vécu dans ces derniers temps, c'est totalement différent. Il est vraiment vrai que chaque niveau d'autorité change aussi des niveaux d'adversité. Vous n'allez pas vous plaindre si vous entrez dans un terrain de poids mouche, de trouver des gens de poids mouche. Vous ne devrez donc pas vous plaindre que si vous entrez dans un terrain de poids lourd, vous trouvez des poids lourds. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, si tu combats un poids lourd, c'est que tu es un poids lourd. Dieu ne fait pas des erreurs dans la façon d'affecter le combat. Si tu combats un poids lourd, c'est que tu es un poids lourd. Pourquoi je donne cet exemple? Quelques années passées, liées à mes fonctions, aux choses que j'étais en train de faire, j'avais d'autres types de combats. Le jour où je suis devenu coordonnateur de Gaël, d'autres types de combats. Je vous assure, ça a complètement changé, c'est autre chose. L'oppression est devenue différente. Je suis devenu pasteur titulaire depuis la cité d'exaucement. Je vous assure, c'est aussi complètement quelque chose d'autre. Alors en anglais, on dit « every level brings a new devil ». C'est-à-dire chaque niveau de vie amène un niveau de combat, un nouveau mal qui vous attaque. À chaque niveau, il y a comme un démon affecté. Il y a comme une entité spirituelle affectée à ces niveaux-là. Les genres de choses dont se bat, par exemple, un chef de l'État, ce n'est pas la même chose dont se bat un chef de classe. La pression spirituelle est différente. Si vous la sentez fortement, est-ce que vous avez une grande destinée, vous êtes quelqu'un d'un niveau élevé. Quand je parle de niveau élevé ici, c'est que vous avez quelqu'un qui a une grande responsabilité sur la vie des autres. Dieu vous a donné plus de responsabilités. Beaucoup de gens dépendent de vous. Et quand l'ennemi voit que si tu atteins toi, il peut atteindre plusieurs, c'est une vieille stratégie. Jésus nous a expliqué ça. Qui va venir dans une maison et il veut piller cette maison, il ne prend pas le temps de pouvoir prendre l'homme fort et le mettre de côté? Si vous êtes attaqué en premier, c'est que vous êtes l'homme fort. Hein? Ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous le sentez devenir plus fort, c'est que c'est parce que vous êtes fort. Si l'ennemi multiplie de force, c'est pour essayer de pouvoir égaler la force que tu as. Oh, gloire à Dieu. Si l'ennemi accroît des stratégies, c'est parce qu'il a peur de tes capacités. Si tu étais moins fort que ça, il t'aurait déjà terrassé. S'il a commencé à innover, à penser à autre chose, à faire plus de menaces, c'est que tu es plus fort que toi-même tu le penses. C'est pourquoi j'ai appris une chose. L'ennemi me dit combien plus fort je suis. Plus il m'attaque, plus il me dit, oh, ok, ça signifie que je suis plus fort que je ne le pensais. Alors on va en finir avec cette affaire. Si je suis ça, si j'ai ça, si j'ai la capacité, si j'ai le droit, si j'ai l'autorité sur ça, alors je vais répliquer. Gloire à Dieu. Mais tous ces rangs-là, mes frères et sœurs, la Bible les résume par des mots aussi simples comme démons. Alors, je vais parler des démons. C'est un sujet assez sensible pour les chrétiens, puisque les positions ont commencé un peu à s'éparpiller. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de toutes sortes de théories qui existent autour de la possession démoniaque ou de l'exorcisme ou de chasser les démons. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que quelques formulées des chrétiens en général dans le monde, il y a une forme de mésentente. Certains ont une tendance extrémiste à dire tout est démon, il n'y a que des démons. Il y a des démons de ceci, il y a des démons de cela, il y a des démons de... Tout est démonisé.
D'autres vont dans l'autre extrême et dire, pas, il n'y a pas de demande. Tout le monde a été vaincu à la croix de Golgotha, il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas de combat. Vous imaginez des choses. L'équilibre est toujours le secret de la vie. Trouver l'équilibre. Se placer à un endroit où les deux, tu peux trouver les bons côtés des deux. L'équilibre, en réalité, je pense, suggère de considérer, comme je vous l'avais dit le premier jour, qu'il existe des choses qui sont purement démoniaques. Et considérer de l'autre côté qu'il existe la liberté en Christ. Mais maîtriser maintenant quelle est l'influence de ces esprits mauvais ou quoi que ce soit sur ceux qui sont chrétiens comme sur ceux qui ne le sont pas. Frères et sœurs, à partir du moment où vous acceptez qu'il y a combat, c'est-à-dire que vous acceptez qu'il y a une forme d'influence de l'adversaire sur vous, pourquoi vous pouvez accepter un combat où vous n'entrez jamais dans le terrain? Dites oui, il y a boxe spirituelle, mais eux, ils ne peuvent pas me lancer de coups. Franchement, c'est quoi cette forme de boxe? C'est-à-dire qu'il peut me lancer des coups. Mais comme le pasteur Blansky aime bien le répéter et nous le dire tout le temps, nous ne nous battons pas pour vaincre, mais nous nous battons dans la victoire. Nous allons nous battre, mais je me bats en vainqueur. Nous allons nous battre, mais c'est moi qui entre dans le terrain avec la ceinture du victorieux. Je vais imposer cette victoire. Nous allons nous battre, non pas de puissance à puissance, mais l'autorité supérieure de Dieu qui est en moi, au nom de Jésus, va imposer la victoire et la pérenniser, cette victoire de la croix de Golgotha. Mais ils peuvent me toucher. Ils peuvent me faire du mal. Et si je ne suis pas conscient du sens du combat, je peux perdre cette bataille-là. C'est très, très important à comprendre. Maintenant, la conception qu'une personne a sur les démons, leurs origines, d'où ils viennent, cette conception, malheureusement, vient un peu de qu'est-ce que la personne lit comme Bible. Je suis obligé de vous présenter ça. Nous, chrétiens, dans le monde protestant que je suis, évangélique et pentecôtiste, nous lisons la Bible. La Bible qui a ce 66 livres, qui n'a pas des livres deutéro-canoniques et qui n'a pas des livres apocryphes et qui n'a surtout pas la tradition juive à l'intérieur. Non. Par contre, certaines personnes lisent des livres qu'eux considèrent des livres inspirés selon eux, d'autres qui sont canonisés, d'autres qui ne le sont pas. Et dans ces autres formes de livres qu'ils vont lire, ils trouvent d'autres explications sur des démons ou d'autres croyants sur des démons qu'ils essaient de propager au milieu des autres. Entre autres, dans ces différents livres qu'ils lisent, malheureusement, la plupart de ces livres sont des livres d'Ancien Testament. Des livres, Ancien Testament, n'oubliez pas, tout l'Ancien Testament que nous avons est un héritage de la foi, du judaïsme, d'où on attendait les messies qui s'est révélé à nous tous et qui est devenu notre source de salut. Les juifs, de l'époque de Jésus, ils ont lu un Ancien Testament canonisé avec les mêmes 37 livres. Ces autres livres existaient, mais n'étaient pas considérés comme des livres inspirés, faisant partie du Tanakh, comme on appelle ça. Donc, Torah, Nevim et Ketuvim, ce qui veut dire la loi, les prophètes et les autres écrits. Alors, dans ces 37 livres, se trouvent ces mêmes 37 livres que nous avons aujourd'hui dans l'Ancien Testament. Mais malheureusement, il y a ces débats, ces vieux débats théologiques et blablabla, je ne vais pas vous amener là-bas, où certains croient à d'autres livres, mais qu'ils font mention de dans l'Ancien Testament. Alors, c'est là qu'on commence à voir plusieurs explications, je dois dire plusieurs croyances sur les démons. Mais le mot « démon », simplement, vient du grec « démon »,« daimon », si vous voulez, « daimonion », qui, en fait, au début, en réalité, ça n'avait pas de connotation négative. Ça sous-entendait un esprit qui inspire. Socrate, déjà à l'époque, et Platon utilisaient des mots comme des démons parce qu'ils les considéraient comme des demi-dieux ou comme des anges. On le considérait déjà au-dessus des hommes, des esprits. Pour eux, c'était comme une sorte de conscience intérieure. Ils sous-entendaient. Socrate n'hésitait pas à dire à son époque qu'il avait un démon. Donc, ils le considéraient comme un esprit qui inspire. Et pour eux, les démons étaient à la fois positifs et les démons étaient aussi négatifs. Mais lorsque l'évolution de ce terme a commencé à se faire dans le temps, le sens de démon est resté purement négatif. Et gloire à Dieu, franchement. Parce que sinon, on considérait toujours avoir cette façon de réfléchir. Les idées parallèles se retrouvent aussi dans ce qu'on appelle le judaïsme intertestamentaire. Par exemple, vous avez des livres comme Tobie,
ou des livres comme Jubilé, ou des livres comme Premier Enoch. Dans des livres comme cela, vous commencez à entendre parler des anges gardiens, les anges qui gardent des personnes. Dans ces livres comme cela, vous commencez à parler des anges qui ont péché, qui ont été emprisonnés dans le monde inférieur, mais un dixième d'entre eux sont autorisés à rester pour affliger les êtres humains pécheurs. Ça, c'est ce que vous allez trouver dans le livre de Jubilé. Ils disent que pour eux, en fait, en réalité, des anges qui ont été déchus, on a pris tous ces anges déjà gardés dans un monde inférieur et on a laissé qu'un dixième d'entre eux pour tourmenter les hommes. Et si vous allez dans le livre d'Enoch, c'est là que vous trouvez une autre forme d'explication qu'eux, ils donnent sur les démons. Ils mentionnent que ce sont des esprits incarnés des géants, morts, engendrés par les anges, qui se sont accouplés avec les femmes. Leur travail consistait à affliger et à tromper l'humanité. Donc c'est dans les livres des noms que vous entendez. Si vous entendez quelqu'un dire que les démons viennent du fait que les gens de l'époque de Noé étaient morts, et l'époque des anges, vous vous souvenez, la Bible dit que les fils de Dieu s'accouplèrent avec les fils des hommes, et ils eurent des enfants, et c'était justement des géants de l'époque, des êtres méchants, et que ces gens sont morts, et les gens qui étaient dans le péché à l'époque de Noé, qui sont morts aussi, et leur esprit en fait reviennent pour pouvoir tourmenter les autres et ont besoin de ressentir ces sensations qu'ils avaient à l'époque, ces désirs charnels qu'ils avaient à l'époque. Ils veulent les ressentir maintenant et tourmentent les êtres humains aujourd'hui. Si vous entendez quelqu'un expliquer les démons ayant cette origine, sachez qu'il a lu les livres d'Enoch. Parce que dans tous les 66 livres que nous avons de la Bible, il n'y a pas d'origine pareille. La seule trace d'origine que l'on voit des démons, c'est justement cette chute des anges déchus. Et ce qui est sûr et certain dans la Bible, c'est que ce sont des serviteurs du diable. C'est son équipe, il travaille avec eux. On a même vu, lorsqu'on a commencé à faire des recherches, je vous souviendrai qu'il existe cette histoire qu'on dit tout le temps, les manuscrits de Qumran. En essayant d'étudier ces sociétés qui étaient à cette époque, les gens qui ces copières, on retrouve là-bas chez eux aussi une littérature qui donne l'idée des esprits comme étant créés par le Seigneur pendant la semaine de la création. C'est-à-dire pendant le moment où Dieu créait, et il a créé aussi des esprits mauvais comme ça, et qui finalement ont été... ils disent que ces démons-là avaient changé de sorte qu'ils étaient plus vus comme des esprits malveillants, mais qu'ils étaient là pour causer des problèmes entraînant de l'affliction physique, mentale, ainsi de suite. Ils considéraient que c'était des esprits que Dieu avait créés au début de la création et qui se sont perdus et Dieu a refait le monde. Alors, quand vous entendez un enseignement biblique autour des démons, vous devez faire très très attention parce qu'il est possible qu'on est en train de vous expliquer les origines ésotériques des démons et non pas bibliques. Et quand on vous explique les origines ésotériques du démon, sachez-le bien qu'il y a un mensonge à l'intérieur. Parce que c'est laisser au diable l'opportunité de raconter son histoire. Si tu demandes au diable de raconter son histoire, tu es vraiment sûr qu'il va te raconter comment il a été frappé par Jésus? Si tu laissais au diable de raconter son histoire, tu es vraiment sûr qu'il va mentionner les épisodes où il a été livré publiquement en spectacle? Il va se faire une belle histoire. Et lorsque les origines du diable ont été racontées par le diable lui-même, il y a nécessairement un mensonge à l'intérieur. Tout ce que vous devez savoir des démons, c'est que justement, c'est dans l'ordre des anges déchus, c'est dans l'ordre de l'autre camp qui est parti avec le diable et qui est tombé avec lui. La Bible ne nous demande pas de chercher à connaître le nom de chacun. Il y a tel nom. Hein. Vous ne verrez pas Jésus en train de vouloir connaître le nom de chaque esprit. Ce n'est qu'un seul cas, je vais en parler peut-être dans les autres fois, où il aura dit, qui es-tu? Il a demandé qu'il ait pris se présenter. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais une chose est certaine, c'est que la plupart de fois, la Bible pointe les esprits par rapport à leurs actions, à la nature de leurs actions, à ce qu'ils font. Les esprits mauvais, quand la Bible les appelle des démons, c'est soit ils causent des maladies physiques, soit ils causent des maladies psychologiques, des maladies mentales. Excusez-moi. Ils donnent de la cécité, de l'incapacité à entendre, de l'incapacité à voir. Ils poussent à l'autodestruction. Quelqu'un a ses esprits mauvais et il veut se brûler. Ça, ce sont les actions des esprits mauvais. Mais quelquefois, on les nomme par rapport justement à leur nature. On les appelle soit esprits mauvais, soit esprits impurs, soit mauvais esprit par un jeu de mots comme ça. Dans le Nouveau Testament, c'est surtout à la partie des
évangiles que vous voyez beaucoup les épisodes des démons. Parce qu'il est clairement écrit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et le fait de chasser les démons, d'avoir de l'autorité sur les démons, était un signe fort de Jésus-Christ en tant que le Messie. Donc, c'était bien relaté comme un signe. Non seulement comme un miracle, mais comme un signe qui montre qu'un autre royaume est venu chasser un autre. Le royaume est venu, est au milieu de vous. Maintenant, il peut chasser l'ancien et le mauvais qui était venu avant. Mais quand vous commencez à lire maintenant les épîtres de Paul, ainsi de suite, des autres apôtres, ils ne font plus trop mention de l'exorcisme. Il y a quelques actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, le but des actes des apôtres, c'est de dire que les Jésus de l'Évangile, n'étant plus physique, continue malgré ça à agir à 100% à travers ses envoyés. C'est ça les actes des apôtres. C'est un peu l'Évangile selon les apôtres, vécu par les apôtres. Mais dans les épîtres, vous commencez à voir des mentions des démons et vous voyez que la doctrine, la croyance sur les démons est restée la même. Ils font de temps en temps des mentions sur telle chose qui est possédée, tel démon. Ils parlent des doctrines des démons. Ils considèrent que ces idoles, en réalité, derrière ces idoles, ce sont des démons qui agissent. Les démons sont à l'origine de certaines sciences ésotériques, de certaines croyances. Ce sont des esprits trompeurs. Ils amènent des mauvaises choses, des esprits impurs, des esprits démoniaques. Et on décrit très, très bien la nature des démons. Le prochain dimanche, je vais commencer maintenant à vous parler de certains termes qu'on utilise qui montrent l'influence maintenant entre ces esprits et nous. Comment ils nous influencent? Pourquoi? Parce que Paul dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissances, les esprits errant dans le lieu céleste, les princes de ce monde des ténèbres. Il nous a dit quel est notre adversaire. Alors je vais vous apprendre quelle forme d'influence l'adversaire a vers nous. Et je vous ai fait comprendre que tout ça n'est qu'un ordre démoniaque. Bien sûr, il est basé sur les termes qui sont utilisés là, sont aussi un ordre angélique biblique qui montre que de ces niveaux-là existent aussi des anges positifs, si je dois le dire, puisqu'ils ont tous la même origine, qui est Dieu. Je vais même maintenant me mettre à vous expliquer l'influence, comment eux peuvent nous atteindre. C'est là que je veux commencer à vous parler justement d'un terme qui est utilisé beaucoup dans la Bible, qui est l'origine de beaucoup des confusions, démonisomai, qu'on utilise des fois dans certaines vieilles Bibles, on dit posséder des démons, mais qui en fait littéralement veut dire sous l'influence d'eux. C'est pour cette raison que quand on veut parler de la délivrance, quand on dit délivrance, un chrétien, la plupart des chrétiens se sentent mal à l'aise avec ce mot. Pourquoi? Parce qu'ils voient, ils ont été tordus et leur pensée a été abîmée, leur réflexion a été dérangée par tous ces films hollywoodiens. Quand on montre l'exorciste, il s'est dit, si tu dis que je dois avoir la délivrance, donc j'ai des esprits qui me font agiter, je vais faire... Ça, c'est faux, c'est du mensonge, ça ne fonctionne pas comme ça. Les différents degrés d'influence qu'un esprit mauvais a dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas censé lui amener dans un spectacle comme ça. Et du coup, le gens se dit, puisque ça, je ne manifeste pas ça, c'est que je suis bon. Non, ce n'est pas ça. Et le dimanche prochain, le but, ce serait justement de vous dire comment ces autorités et toutes ces choses peuvent influencer le monde physique, influencer les hommes, influencer quelquefois même les chrétiens. Et je veux insister sur le fait qu'il est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui peut se nommer au milieu des hommes dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Quelqu'un veut dire aujourd'hui que non, écoutez, moi, je suis plus que Jésus. Dis-lui, même avant toi, Jésus avait déjà dit, quand tu viendras, toi, et qu'on commencera à te nommer, lui, il est au-dessus de tous ces noms qui peuvent se nommer même après. Vous allez commencer à comprendre pourquoi, quand on dit son nom est au-dessus, ça a vraiment un sens. Étant venu humain dans cette sphère, dans cette dimension de l'humain, il n'est plus dans l'angélique. Étant venu comme un humain, ayant pris la chair, son nom dans la chair a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Le nom de Jésus, ils en ont peur. Frères et sœurs, il existe différentes influences. Quand nous nous battons contre l'ennemi, il est ordonné, quand nous nous battons contre l'ennemi, il a des légions qui ont des niveaux d'impact différents. Et par rapport à l'appel que tu as reçu, aux responsabilités que tu as reçues, tu vas avoir un affrontement différent. Certains luttent contre les dominations, d'autres contre les autorités, d'autres contre. Je veux te dire qu'en tant que parent à la maison, ta guerre sera différente de celle des enfants.
Je te dis qu'en tant que responsable à l'église, responsable dans l'entreprise, ta guerre sera différente. Je me te dis qu'en tant qu'aîné de la famille, ta guerre sera différente. Ne te dis pas, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Parce que toi, tu détiens quelque chose d'important et de différent. Ne regarde pas l'adversaire. Dis-toi que je suis dans la catégorie. Dieu ne te mettra jamais dans un terrain de poids lourd si tu n'es pas poids lourd. Ces adversaires-là sont à ta taille. Ces adversités-là sont à la mesure de ta foi. Dieu ne te laissera pas te battre avec quelque chose qui n'est pas à la mesure des choses qu'il a placées en toi. Alors maintenant qu'on le sait très bien, laissez-moi vous le rappeler, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui peut se nommer parmi les hommes, de toute principauté, Jésus est Seigneur, au-dessus de tout ça. Père, je me reprie avec mes frères et sœurs aujourd'hui. Nous nous rendons compte que les combats changent de niveau au fur et à mesure que tu nous fais monter, et au fur et à mesure que tu nous rends responsables d'une chose ou d'une autre, au fur et à mesure que tu nous fais jouer un rôle dans le plan que tu as dans l'humanité. Nous savons qu'il change d'après chaque catégorie. À chaque round, il change des personnes. Plus nous devenons forts, plus eux aussi changent des personnes contre qui se battre avec nous. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Puisque ce n'est plus nous qui vivons et que c'est Christ qui vit en nous. Ils ne se battent pas avec un terrien, un homme abandonné. Ils se battent contre celui qui est au-dessus de tout et qui a le pouvoir de tout faire en son nom. Et aussi longtemps que nous restons sous ce pressionnant, aussi longtemps que nous faisons ce qui est écrit, hein, soumettez-vous sous sa main puissante, alléluia, et résistez au diable, il fera loin de vous. Aide-nous à nous soumettre là où il faut nous soumettre afin d'être résistant. Pour être résistant, il faut apprendre à se soumettre à la bonne personne. Je prie que ce message dans le cœur de chacun d'entre nous soit une forte bénédiction, une bénédiction qui demeure au nom de Jésus. Amen. Je voulais dire, me présenter mes sincères félicitations au pasteur Eric Kionga. Vous savez, le pasteur Eric Kionga est l'un de nos pasteurs ici et il est passé en charge de l'enseignement. Et il s'est marié, donc pas plus tard qu'hier. Et voilà, enfin de tout le temps, on a attendu qu'il puisse se marier. Eric, je suis fier de toi et donc toi et grâce, que Dieu vous bénisse. Bénédiction à vous et des beaux enfants, pourquoi pas des jumeaux, comme tout le monde le dit. Alors, écoutons bien les instructions pour comment donner nos offrandes et quelles sont les autres instructions et les annonces de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Wonderful, wonderful, wonderful. Quelquefois, je me pose la question, pasteur Adams. Quelle bénédiction nous avons dans cette église. Vous savez, geste barrière, loin de ce que nous connaissons, loin de ce que nous attendons, il y a vraiment les gestes barrières. Et vous savez, nous faisons face à une crise, oui, qui a des noms, mais nous avons aussi une crise qui n'a pas de nom, mais qui est là, latente. S'il vous plaît, déjà ce soir, à partir de 20h30, pour clôturer ce moment, nous avons un moment fort de prière avec le pasteur Blonsky Mbala, ainsi que le pasteur Jean-Pierre Bissache, à 20h30. S'il vous plaît, soyez nombreux online et nous allons prier justement pour combattre, parce que nous avons à combattre. Mais aussi, nous sommes arrivés à un moment béni, vous avez suivi ce message, le moment d'offrande. Vous pouvez les faire en ligne, vous pouvez envoyer vos offrandes, mais seulement je vous renvoie à notre site qui est www.cité-exaucement.com. Vous allez voir dans ces sites tout le renseignement nécessaire par rapport aux offrandes, les indications dont vous avez besoin pour envoyer vos offrandes. Mais aussi, nous voulons parler à vous, les nouveaux venus. Pour la première fois, vous avez eu à nous suivre pendant ces moments. Vous avez été bénis, touchés par ces messages. Vous avez compris combien il est important d'entrer en contact avec les seigneurs par le biais de Filacité d'exaucement. S'il vous plaît, allez-y aussi dans ces mêmes sites qui est www.cité-exaucement.com. Là, vous allez aussi avoir toutes les informations par rapport à vous et vous allez être partie de nôtre. Mais nous n'allons pas nous séparer sans pour autant aller dans la semaine. La semaine se présente comment? Le mercredi déjà, nous sommes là avec mercredi Malakissi. Jeudi avec jeudi Etoko, où nous sommes sur le NAT. Nous prions pour chercher la face du Seigneur. Et au finish, nous avons dimanche. Les dimanches de célébration. Soyez nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un dimanche béni. Allez, bye bye.